soleil, il fait beau, on voit les montagnes, il n'y a pas de brume. C'est un peu frais quand même, mais on pourrait vite se réchauffer. Donc on repart faire bah, ce que j'ai abandonné la dernière fois, le col de Moran, une boucle de à peu près 60 km. Il fait boucle de Moran, lac de Guéry, Mont d'Or, et on revient par le lac Chambon. Principalement de là, bon, je pense que 70% route. Et ouais, c'est le chemin, donc là j'ai fait un peu plus de chemin, j'ai fait une variante là. Que je connaissais le début, j'ai un peu changé et j'ai monté par la route. J'ai vu que la route, j'ai fait en voiture rien et c'est quand même sympa. Donc, ça fait plaisir aussi de passer par les vraies routes. Et notamment, il y a une tour de France qui est passée. Donc, c'est une belle route. Donc, on va faire ça. Ouais, je vais filmer un petit peu le début de côté de la Chambon et même ici. En fait, c'est la JPMC. La grande traversée du Massif Central, qui fait 1300 km, qui part de Avallon en Bourgogne, et qui va jusqu'au Cap d'Aigle. C'est une trace VTT, VTT AE. Et en fait, elle passe exactement ici. Donc, ça t'intéresse. Et donc là, on va en direction du col de Moran. C'est la première ascension, que j'ai déjà faite, mais on va la refaire sous le soleil. Beaucoup plus agréable. Allez, bah on est parti. Il y a une structure du Tour de France qui est juste là. Je vais faire la photo. Le petit cimetière. Et ça part de là. Bon courage. Merci. Il y a le petit camping municipal qui est là. Il est bien sympa. Allez, on va démarrer tranquille. Il y a des panneaux là. Que de la croix de mort. J'ai 1420 mètres. Pente maximale 600 mètres. C'est pas un col difficile. Ça monte régulièrement, mais c'est pas méchant. Et lac Chambon. On le voit plus. Voilà, je suis passé la dernière fois. Quand il faisait pas beau, je t'en descendais. On voit la belle maison en pierre. Et après, j'avais pris un chemin qui redescendait et c'est là où je m'étais empêtré. Pas du tout roulant. Des petits chevaux. Ah mais c'est quand même plus agréable quand il fait beau, hein, purée. C'est le jour et la nuit. Même si ça fait partie de l'aventure. C'est beau de voir les sommets. En fait, il n'y a pas de vent. Comme c'est beau là. Là, on était à Bray-sous-l'Aigle. C'est une ferme de Saint-Nectaire. Voilà, c'est beau là. Hier, on était faire le puits de Sancy en randonnée. C'est génial. 7 km, 530 mètres de dénivelé positif. Bon, avec les enfants, c'est paysan, mais ils ont marché. Et ils l'ont fait. Là,
Ouais, quel chemin en fait, je suis bien pas. Bonjour. Bonjour. Ça fait un petit montant. Il faudrait leur faire rejoindre la route. C'est ça qui est bon. On ira là de pouvoir décider route ou chemin. Et me. Ah, ici, il y a jamais fait ça. Hier on était vite sensible. Hein. Oh, il y a une vallée qui descend, toute verte, c'est un parc naturel. Et là, les vaches au milieu là, en haut. Et tu dis qu'il y a pire comme endroit. Ah, ouais, ça, comme c'est bien. Ça va? Tranquille la vie? Plus vous êtes tranquille que c'est du lait pour faire le sanitaire. Et oui, vous dites. Ah tiens, je vous connais là. C'est là que je me suis pété la gueule. Exactement là. Je vais regarder la vidéo précédente. Ici, ça va me faire retomber. Oh, c'est un peu méchant là. La route. On va dire qu'on voyait rien la dernière fois là. C'est quand même mieux de repasser les couverts. Là je tenais pas debout là. Il y a des rafales de malade. Il fallait quand même le refaire. Même si je l'ai fait en voiture hier, ça compte pas en voiture. À peu près. Ça c'est les sommets qu'on voit depuis le lac. Le lac Chambon. Je crois qu'il y a le col de l'Angle, je sais pas si c'est pas celui-là. 1740 mètres. Ouais, c'est retard. Pointe de moyenne montagne là. On est à 1314 mètres. C'est-à-dire qu'on voyait rien l'autre jour.
après. Ce petit lac, il est sympa. Tranquille. Il est pire comme endroit. Il n'y a pas de pâturage. Il y a un lac juste là, lac de Guéry. Pino. Il était en vacances par chez moi. J'ai mis sur Strava. Petit bois Pinot. Elle a fait des tours vers Cogolin. Dans le Var. Oh, c'est beau là quand même. Il est où ce lac? Là, moi je suis là. Monter là. Et je pense qu'il va me faire passer sur la. Il va me faire passer là, donc je suis. Pour revenir vers le Mont d'Or. Ok. Bonjour. Bonjour. Vous allez tout faire en vélo? Oui. Pas mal, hein. Pas mal de me lâcher en vélo. Merci. Bonne journée. C'est des bitumes pour l'instant. Un peu plus du mal. Allez, petite montée. 3 km de montée. Ah ouais, quand même. Et voilà, le petit passage gravel. Sympa là. Ça, ça roule, ça va. Même si ça monte. C'est pas pour ça que les grosses caillasses. Oh, on va sortir bien des graines. Wow, c'est beau, hein. Oh, c'est beau, là. Ouais, le pic d'homme, tu vois. En face là, on va y aller demain. Magique. Ouais, je suis arrivé là-bas, col de Morant. Je suis passé là, pic, et là ça doit être le puits de Sancy où j'étais hier. Ouais, c'est ça. Pouah. C'est un super chemin de gravel. Superbe. Wouah, c'est bien gagné. Ferme, hein, chemin là. Il est couvert de l'or, c'est pas grave. Oula, la bergerie à l'abandon.
Bon bah je suis content de la trace. Hein. J'ai hésité à la faire. Et j'en ai trouvé une autre de 50 bornes plus gravel. Là, je me mange le pied, je ne sais pas. Clairement, je ne regrette pas. Oh, c'est moi qui l'ai tracé celle-là. Ah, j'ai pris tous les points d'intérêt. J'ai tourné la chambre. Et j'ai fait une bouclure. Dans les champs des lacs en plus. Un peu loin, ça me parle. Je reviens pas de cette trace. Je n'en reviens pas. Ah ouais. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, un pic est cool. Ici, il y a tout qui s'appelle pic et cool. Non, j'ai pas l'air de pouvoir descendre. Je pense que vous allez là-bas. La petite pause. Bon, on va essayer de ne pas se faire électrocuter. C'est un air de mouvement. Bon, la trace passe là. J'avais un doute, mais je ne l'avais pas vu en passant. Pas pour rien. Et on va voir où ça nous mène. On va être des randonneurs là-bas, donc d'ailleurs. On va essayer de ne pas se vautrer. Oh papa, c'est beau là. J'en ai fait des champs en Île-de-France, si tu as. C'est pas le même. J'espère que je ne vais pas trop mettre en galère là. Ça sent un peu la galère quand même. C'est qui va me faire aller là quand même. Là, j'ai un peu des doutes quand même. On est censé retomber sur la droite là-bas. Ok, là-bas, il y a un chemin de randonnée. Mais là, je suis un peu au niveau, au milieu de nulle part là. Un peu au milieu de nulle part.
bien, il y a toujours un petit côté poireux dans des trucs. Tout se passait bien jusque là, de la route, du beau chemin de gravel. Et bim, là ça part en sucette. On s'en trouve au milieu d'un champ, avec des blouses de vache. J'ai l'impression qu'il y a une route. Parti, là on dirait qu'on est plus sur des sentiers avec des voitures. C'est censé le rejoindre. On est en route là, ici, qui visiblement n'existe pas. Il va falloir en sortir du merdier. Bon, en direct de l'Auvergne, au milieu d'un champ, sur une trace foireuse là. Jusque là tout allait bien. Mais on va pas se plaindre, c'est quand même splendide. Bon, ça c'est censé être la trace. J'espère que je vais pouvoir sortir sans m'électrocuter parce qu'il y avait tous les trucs électrifiés par ici. Et là, je suis censé. Il y a le mont d'or en bas là. Donc, on va essayer de retrouver un chemin un peu plus praticable. Alors, est-ce que ça sort par là? Pas l'air de sortir des masses. Hein. Chier quand même. Bon, je vais passer les vélos par là. On va éviter les percussions déjà. Bon là je suis sorti du champ. Je suis pas vraiment sur un chemin de randonnée. Donc là je vais aller en randonnée. Ouais. Deuxième passage. Et voilà le travail. Bon, j'aurais pas dû passer de l'autre côté quand même. Bon. Ça redevient un peu plus civilisé, si je puis dire.
fait du bien. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai 11 km de montée là. Putain. Bon, là c'est fait pour. C'est une voie à vélo. Hop. La Dordogne. Tour de la Dordogne. On dirait pas comme ça. Bon, mais je suis vraiment content de ma trace. Bon, j'ai un peu merdouillé en haut là. Mais franchement, je ne m'attendais pas à passer dans des endroits aussi jolis. Yes. Ok, on repasse le bois ferré. C'est tout joli ça. Ça monte. Bon, c'est la Dordogne. Ah, je m'attendais pas du tout à passer là. À remonter la Dordogne comme ça là. Passer sur des ponts. Vraiment génial. Voilà. C'est Brocéliande. C'est Brocéliande.
qu'on est là. C'est pas tout ça, mais il est 13h30. Mais on va peut-être essayer de se trouver une boulangerie. Ah, hors parcours. Hors parcours. Je vais faire dans le kéké là. Allez, on est à Mont-d'Or là. Je suis passé hier. Pas non plus de sensi. Je crois qu'il y a une boulangerie là-bas. On va aller prendre un petit baguette. Petite pause, déj. On est à Mont-d'Or. On a pris un petit sandwich auvergnat, une petite tartelette myrtille. Le vélo se repose. On a fait 36 km. J'ai pris une grande bouteille d'eau aussi pour recharger. Et après, non, je pense que je devrais être sur le chemin retour. Je pense pas qu'il me fasse aller au puits de Sancy, enfin à la montagne. Je l'ai fait hier en voiture, il n'y a pas trop d'intérêt. On verra ce que je ferai après. Et là, on va faire le col de Saint-Robert. Je vais revenir par. Ah oui, il y a eu le croisement. Donc c'est cool, ça fait une super boucle. Bon, toujours dans, dans le col de Saint-Robert. À 3,6 km de là, du sommet. Et on commence à sortir là. La plaine. On me dit c'est en forêt. Ah, c'est beau là. J'étais dans le champ là tout à l'heure. Sancy. Puits de Sancy. Un petit replat. Quand je te disais qu'elles sont pas malheureuses ici, les vaches. Il y a pire comme vue, hein, hein. Bon, quand on commence à parler aux vaches, c'est que c'est mal barré. Bonjour. Tiens, elle vient me voir celle-là. Hein? Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Et ici elle grimpe. Hier on en avait une à flanc de colline. Je sais pas comment elle a fait. C'est des chamois les vaches ici. C'est vraiment la sortie 3 étoiles. Hein. 3 étoiles. Point de vue sur la puits du Sancy. Imprenable. We'll be right back.
l'impression d'être en cube. Des pins. Costaud. C'est bien raccourci. Technique. Je vais pas te montrer la fin. Ça, c'était une bonne idée. Mais pas loin. Pourquoi j'ai pas pris la route? Ça donne là, c'est pas génial. C'est bien en hauteur. Après 62 km, 5h18. Bon, en résumé, je fais café, superbe trace, un bon mix de route, de chemin, des deux cols du coin, des superbes vues. Un petit vol de drone, je verrai si j'en ai un petit peu. Bref, génial, super. J'ai la banane. Donc allez, maintenant on va prendre un petit bain dans la piscine, ça c'est un peu chiant. Allez, ciao ciao.